Voilà, là j'arrive chez mon producteur local, puisqu'on ne peut plus trop aller faire les courses. J'arrive chez Sophie au poulet gambadeur. Avant, on livrait beaucoup de cantines scolaires, de restaurants. On travaillait aussi avec des comités d'entreprise. Donc tous ces clients-là, on les a perdus puisqu'ils sont ou en télétravail ou fermés. Donc on a beaucoup de ventes à moins. On a une clientèle de particuliers quand même qui est arrivée, qui s'est un peu développée qu'on n'avait pas avant. Bon, ça c'était avant le confinement, surtout depuis le confinement il y en a beaucoup moins. Donc on attend, puis on verra comment ça évoluera. Nous on a l'intention de rester ouvert tant qu'on peut, en faisant qu'un seul abattage par semaine au lieu de deux. Et puis on verra bien. Bon. Alors c'est quoi les activités quotidiennes? Finalement il y a plus de travail qu'avant ou moins de travail? Ah, il y a beaucoup moins de travail qu'avant. Si les gens passent qu'un seul abattage par semaine, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule livraison. Donc ça fait qu'un jour et demi de travail par semaine sur tout ce qui est commercial. Et après au niveau élevage, on est à 2 heures de travail par jour. Et dans les champs, on verra si on peut y aller, on ira. Il faudra, parce que bon, le cycle biologique des choses ne s'arrête pas, donc il va falloir suivre quand même. On travaille avec du vivant. Et voilà, on attend. Est-ce que ça a changé ta vision de voir les choses et se dire et maintenant il faut se préparer toujours au pire? Et est-ce que tu envisages des choses pour l'avenir, même quand tout sera rentré dans l'ordre? Alors ça, je n'ai pas trop anticipé. J'envisageais déjà avant de développer une clientèle de particuliers, faire plus de ventes directes. Mais bon, là, c'est vrai que je pense qu'il va falloir y venir de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on est dépendant d'autres structures, donc c'est très compliqué. Bon, après, on sait bien que l'alimentation, c'est fondamental, donc les gens en auront toujours besoin. Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'emprunts, et si les ventes sont pas en face, ça va faire poser des questions, oui. Ça, c'est sûr. Bon, ben, quoi qu'il en soit, on privilégie le local. Oui. Et puis que les gens viennent, on peut t'appeler et puis... Vu les gestes barrières qu'il faut mettre en place, c'est mieux de commander, comme ça les commandes sont prêtes. Les gens attendent moins longtemps sur site, donc il y a moins de risques que les clients se croisent. Donc si c'est commandé, c'est mieux parce que c'est prêt, au moins c'est plus rapide. Et après, il vaut mieux pour privilégier le local, je pense, parce que dans les fermes quand même, on n'a pas énormément de monde en même temps, c'est un peu moins risqué. Thank you.